Cela fait maintenant une semaine que l'école est redevenue une routine pour ses élèves de primaire. La raison, ils suivent le rythme montagne, instauré il y a maintenant 4 ans. Ce dispositif consiste tout simplement à reprendre l'école une semaine plus tôt, pour libérer donc 10 mercredis l'hiver, afin de pratiquer certaines activités, ou alors tout simplement se reposer, passer du temps en famille. Et en même temps, on garde également une journée allégée, puisque nous travaillons que 5h15 par jour. 6 communes au Savoyardes ont opté pour des mercredis de ski. Chaque commune a fait un effort donc pour s'adapter à ces nouveaux rythmes, et notamment Megève avec leur palais des sports, puisqu'ils ont adapté les horaires des activités sportives. Elles commencent plus tôt, et le but c'était que les enfants aient une journée moins chargée. Ils vont donc aux activités sportives un petit peu plus tôt, finissent plus tôt et donc rentrent à la maison plus tôt. Ils sont plus de 1500 élèves à bénéficier de ce rythme scolaire un peu particulier. On a 10 mercredis libérés et comme on habite à la montagne, on peut soit faire du ski, passer des mercredis en famille ou faire des activités sportives. Et toi, t'en penses quoi ? C'est bien, ça raccourcit un peu les vacances, on voit ses copines. C'est bien comme ça. On peut aller skier au lieu d'être à l'école. Mais avant de skier, il faut déjà terminer sa dictée. Malgré ce changement de rythme, le programme reste le même. Elle ne veut pas. On est parti sur un constat, c'est qu'à la fin de l'année, on s'aperçoit que le programme est plus facilement atteint. La fin du programme est plus facilement atteint. Donc on a l'impression de travailler en classe de manière un peu plus efficace avec cette matinée supplémentaire. Dès l'année prochaine, direction le collège pour une partie de ses élèves. Reste à savoir s'ils conserveront ce rythme montagne.